Chapitre 4. Utilisation avec du texte dans votre ordinateur. Du texte est présent dans un grand nombre d'endroits, comme par exemple dans les fenêtres et zones de dialogue, mais aussi dans les zones de contenu comme les pages web, les fichiers d'aide et les documents. Ce chapitre explique comment utiliser VoiceOver pour lire, sélectionner et modifier du texte. Lecture de texte VoiceOver permet de lire du texte de plusieurs manières. Vous pouvez lire du texte, un mot, une ligne, une phrase ou un paragraphe à la fois. Vous pouvez écouter la phonétique de mots et de caractères. Pendant la lecture, vous pouvez faire une pause et reprendre la lecture en appuyant sur la touche contrôle. Si vous utilisez la fonctionnalité gestuelle de VoiceOver, tapotez sur le trackpad avec deux doigts. Pour lire du texte à l'aide des commandes VoiceOver, pour lire intégralement un document en commençant par le haut, appelez lire tout. Appuyez sur VO plus A lorsque vous interagissez avec un document. Pour lire du curseur VoiceOver jusqu'en bas de la zone de texte, appuyez sur VO plus A. Pour lire une ligne, appuyez sur VO plus L pour passer à la ligne suivante ou précédente. Appuyez sur VO plus flèche bas ou sur VO plus flèche haut. Pour lire un paragraphe, appuyez sur VO plus P pour passer au paragraphe suivant ou précédent. Appuyez sur VO plus Maj plus page suivante ou sur VO plus Maj plus page précédente. Pour lire une phrase, appuyez sur VO plus S pour passer à la phrase suivante ou précédente, appuyez sur VO plus commande plus page suivante ou sur VO plus commande plus page précédente. Pour lire un mot, appuyez sur VO plus W pour entendre le mot et play, appuyez de nouveau sur VO plus W pour l'entendre et play phonétiquement, appuyez de nouveau sur VO plus W pour passer au mot suivant ou précédent, appuyez sur VO plus flèche droite ou sur VO plus flèche gauche. Pour lire un caractère, Appuyez sur VO, plus C pour entendre le caractère et play phonétiquement. appuyez de nouveau sur VO, plus C pour passer au caractère suivant ou précédent, appuyez sur VO, plus MAJ plus flèche droite ou sur VO plus MAJ plus flèche gauche. Pour lire du texte à l'aide de la fonctionnalité gestuelle de VoiceOver, pour lire intégralement un document en commençant par le haut, appelez Lire tout, faites un geste rapide vers le haut avec deux doigts sur le trackpad. Pour lire du curseur VoiceOver jusqu'en bas de la zone de texte, faites un geste rapide vers le bas avec deux doigts sur le trackpad. Pour lire un mot, une ligne, une phrase ou un paragraphe à la fois, appuyez sur la touche commandant touchant le trackpad d'un doigt. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous entendiez le réglage que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous utilisez la touche flèche bas pour passer d'une ligne de texte à l'autre, VoiceOver lit la ligne à l'endroit où se trouve le point d'insertion. Par conséquent, si vous appuyez sur la touche flèche bas sur la première ligne d'un document, VoiceOver ne la lira pas puisque le point d'insertion sera passé à la ligne suivante. Pour entendre la première ligne de texte dans un document, appuyez sur V au plus flèche bas. Fonctionnalité de défilement Lorsque le contenu disponible est plus long que celui qu'il est possible d'afficher en une fois dans une fenêtre, vous pouvez utiliser les barres de défilement pour accéder au contenu masqué. Vous avez la possibilité d'utiliser une commande VoiceOver ou la fonctionnalité gestuelle de VoiceOver pour faire défiler le contenu sans intervenir d'abord sur celui-ci. Pour utiliser le défilement à l'aide d'une commande VoiceOver, en interagissez avec une zone de défilement. Deux interactions avec des zones de contenu 3 pour commencer le défilement. Appuyez sur VO plus Maj plus S. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres commandes Voiceover durant le défilement. 4. Faites défiler le contenu. Pour faire défiler vers le haut ou vers le bas ou de gauche à droite, appuyez sur les touches fléchées. Pour faire défiler une page à la fois, appuyez sur la touche Page Break ou Page Suive. Pour un défilement dans le sens vertical, et sur Maj plus Page Break ou Maj plus Page Suive. Dans le sens horizontal. VoiceOver émet un effet sonore lorsqu'il n'est pas possible de faire défiler davantage. 5. Pour arrêter le défilement, appuyez sur la touche échappe. Pour utiliser le défilement à l'aide de la fonctionnalité gestuelle de VoiceOver, pour écouter le nombre de pages ou de lignes visibles sur la page en cours, tapotez sur le trackpad avec trois doigts. VoiceOver énonce par exemple page 4 sur 15 et page horizontale 1 sur 2. Pour faire défiler une page à la fois, faites un geste rapide avec trois doigts sur le trackpad vers le haut, vers le bas. Vers la gauche ou vers la droite. Dans la sous fenêtre Commandeur Trackpad d'utilitaire Voiceover, vous pouvez cocher une case pour faire défiler le contenu et non de la barre de défilement vers le haut ou vers le bas. Normalement, lorsque vous déplacez la barre de défilement vers le haut ou vers le bas, le contenu se déplace dans l'autre sens. Une fois l'option sélectionnée, le contenu se déplace dans le même sens que le défilement. Lorsque vous interagissez avec un contenu, le curseur Voiceover défile automatiquement pendant qu'il parcourt le contenu. Écoute des mots mal orthographiés dans le texte Voiceover peut vous avertir lorsqu'il trouve des fautes d'orthographe dans son texte. Pour écouter des mots mal orthographiés, 1. Lorsque Voiceover est activé, ouvrez utilitaire Voiceover en appuyant sur les touches V ou F8. 2. Cliquez sur Verbosité dans la table de catégories, puis sur Texte. 3. Dans le menu local lors de la rencontre d'un mot mal orthographié, sélectionnez une option, jouer un son, lire les attributs ou ne rien faire. Écoute de la ponctuation Vous avez la possibilité de modifier le degré de ponctuation que vous entendez, de aucune à toute. Utilisation d'une commande VoiceOver 1. Pour ouvrir le rotor sur les réglages de verbosité, appuyez sur V plus V. Les réglages de verbosité incluent l'écho de la frappe, la ponctuation et les attributs de texte, entre autres. 2. Appuyez sur la touche flèche gauche ou flèche droite, jusqu'à ce que vous entendiez ponctuation. Vous entendez également le réglage actuel. 3. Appuyez sur les touches flèche haut ou flèche bas jusqu'à ce que vous entendiez le réglage souhaité, toutes, la plupart, certaines ou aucune. 4. Toutes, la lecture inclut tous les symboles spéciaux et tous les signes de ponctuation, à l'exception des espaces. VoiceOver énonce une phrase qui pourrait être, elle se retourna et s'arrêta, à virgule, puis elle se remit à marcher. point. La plupart, la lecture inclut tous les symboles spéciaux, mais pas la ponctuation courante, comme les virgules et les points. Certaines, la lecture inclut les symboles du clavier et de nombreux symboles mathématiques comme le signe « plus »,« plus ». Aucune, le texte est lu normalement, avec des pauses pour les virgules et les points. 5. Pour fermer le rotor, appuyez sur la touche « ESC ». Utilisation d'utilitaire VoiceOver 1. Lorsque VoiceOver est activé, ouvrez Utilitaire VoiceOver en appuyant sur les touches « V » ou « F8 ». 2. Cliquez sur « Verbosité » dans le tableau des catégories, puis sur « Texte ». 3. Déplacez le curseur VoiceOver sur le menu local « Ponctuation » et appuyez sur la barre d'espace. 4. Appuyez sur la touche « Flèche haut » ou « Flèche bas ». Jusqu'à ce que vous entendiez le réglage souhaité, aucune, certaine, la plupart ou toutes, puis appuyez sur la barre d'espace. Si vous utilisez les préférences portables sur un ordinateur haute au moment de la modification des réglages, ceux-ci sont enregistrés sur les préférences portables et non sur l'ordinateur haute. Écoute des modifications d'attributs de texte, vous pouvez modifier la manière dont VoiceOver annonce les changements des attributs de texte à l'aide d'une commande du clavier ou d'utilitaire VoiceOver. Utilisation d'une commande VoiceOver. 1 Pour ouvrir le rotor sur les réglages de verbosité, appuyez sur VO V. Ces réglages incluent l'écho de la frappe, la ponctuation et les attributs de texte, entre autres. 2 Appuyez sur la touche flèche gauche ou flèche droite, jusqu'à ce que vous entendiez attributs de texte. Vous entendez également le réglage actuel. 3 Appuyez sur la touche flèche haut ou flèche bas, jusqu'à ce que vous entendiez le réglage que vous souhaitez jouer un son, lire les attributs, ne rien faire. 4 Pour fermer le rotor, appuyez sur la touche ESC. Utilisation d'utilitaire VoiceOver. 1. Lorsque VoiceOver est activé, ouvrez utilitaire VoiceOver en appuyant sur les touches V plus F8. 2. Cliquez sur Verbosité dans le tableau des catégories, puis sur Texte. 3. Déplacez le curseur VoiceOver sur le menu local lors du changement d'attribut de texte et appuyez sur V plus barre d'espace. 4. Appuyez sur la touche flèche haut ou flèche bas jusqu'à ce que vous entendiez le réglage souhaité, puis appuyez sur la barre d'espace. Pour entendre les renseignements concernant le style de texte le plus proche du curseur VoiceOver, Appuyez sur VO plus T si vous utilisez les préférences portables sur un ordinateur hôte au moment de la modification des réglages, ceux-ci sont enregistrés sur les préférences portables et non sur l'ordinateur hôte. Écoute du texte dans les zones de dialogue, vous pouvez définir une préférence, pour contrôler la quantité de détails que vous entendez dans les zones de dialogue. Par défaut, vous entendez la totalité du texte. Pour écouter le texte des zones de dialogue, un lorsque Voiceover est activé, ouvrez utilitaire Voiceover en appuyant sur les touches VO plus F8. 2. Cliquez sur verbosité dans le tableau des catégories, puis sur alerte. 3. Spécifiez ce que vous désirez entendre à l'aide de l'option énoncer automatiquement le texte des zones de dialogue. Pour entendre tout le texte, notamment les étiquettes, cochez la case. Pour entendre uniquement le texte sur lequel le curseur VoiceOver se déplace lorsque s'ouvre la zone de dialogue, désactivez la case à cocher. Écoute de la sélection en cours dans le Finder et d'autres applications, vous devez d'abord sélectionner l'élément que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un dossier, vous devez d'abord sélectionner le dossier. Vous pouvez utiliser une commande VoiceOver pour savoir rapidement ce qui est sélectionné actuellement, le cas échéant. Pour entendre une description de l'élément sélectionné, appuyez sur VO plus F6. Si vous utilisez la fonctionnalité gestuelle de VoiceOver, tapotez trois fois sur le trackpad. Si rien n'est sélectionné, vous entendrez aucune sélection disponible. Si du texte est sélectionné, vous l'entendrez. Répétition de la dernière phrase prononcée. Si vous n'avez pas entendu clairement ce que Voiceover a dit, vous pouvez faire répéter la dernière phrase. Pour faire répéter la dernière phrase, appuyez sur VO plus.